Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je voulais faire cette vidéo essentiellement pour les débutants en fait sur Breaking Point, ceux qui débarquent sur la map et qui savent pas trop ce qu'il faut faire, ce qu'ils doivent faire. Donc voilà, cette vidéo s'adresse essentiellement à eux. Alors quand on arrive sur Breaking Point, on spawn de manière aléatoire sur la map. En réalité, il y a 5 ou 6 lieux de spawn récurrents où on peut apparaître. Alors il faut noter que sur la map d'Altis, on peut choisir d'apparaître dans trois régions de la map, soit au centre, à l'est ou bien à l'ouest. Donc quoi qu'il en soit, en général quand on spawn, on est un peu paumé au milieu de nulle part et avec un équipement très basique, voire quasi inexistant. En fait, notre équipement de départ varie en fonction de la faction qu'on a choisie. Donc on va voir avec quoi chaque faction spawn au début du jeu. On va commencer par le Ranger. Alors le Ranger apparaît avec des habits d'une capacité d'emport de 30. Donc 30 ça correspond à un emport on va dire moyen, hein. Ces habits sont composés d'un jean, d'un gilet pare-balles et d'une casquette. Le Ranger apparaît également avec un civilian bag, c'est le plus petit sac du jeu en fait. Il a également deux bandages et deux painkillers. Lui, c'est le seul qui spawn avec une boussole. Le Hunter, pour sa part, a des habits d'une capacité d'emport de 20, donc beaucoup moins que le Ranger. Il a une combinaison militaire et un foulard sur la tête, hein, le fameux foulard qui le distingue des autres joueurs. Un foulard un petit peu à la Taliban. Il a lui aussi un civilian bag, hein, donc un petit sac, deux bandages et un painkiller. Et lui, il spawn avec une hache et un couteau, ce qui est quand même bien pratique, hein. Dès le départ, quand on a une hache, une arme de mêlée dès le départ, c'est quand même bien pratique, on verra ça tout à l'heure. Le Outlaw, pour sa part, apparaît avec des habits d'une capacité d'emport de 20. Donc comme le Hunter, donc très peu de capacité. Hein. Ses vêtements sont des vêtements militaires en fait. Hein. Et puis il a le fameux bandana qui cache le bas du visage. On le reconnaît grâce à ça. Il a lui également un civilian bag, deux bandages, deux painkillers et une boîte d'allumettes. Donc bon, c'est pas génial. Hein. Une boîte d'allumettes, ça sert pas à grand chose au début. Mais bon, c'est avec ça qu'il spawn. Ensuite, on a le nomade. Alors, le nomade, lui, là, il apparaît avec une capacité d'emport de 20 également. Il est habillé avec une combinaison brune, type mécanicien. Il a une casquette verte. Donc, lui aussi, il a un civilian bag. Il a deux bandages et deux painkillers. Et enfin, il spawn lui aussi, comme le Hunter, avec une hache. Et lui, il spawn également avec une carte, ce qui est bien pratique. Alors, le survivaliste, lui, il spawn avec des habits de capacité d'emport de 50. Donc, c'est lui, en fait, qui a la capacité d'emport au départ la plus importante, hein, 50, ce qui est quand même pas mal. Il a une combinaison kaki de type mécanicien, un peu comme le nomade, et il a un bonnet vert. Alors, il a également un civilian bag, deux bandages et deux painkillers. C'est tout ce qu'il a. Il n'a pas d'objet particulier sur lui. Ensuite, l'indépendant, eh bien, lui, il spawn avec des habits de capacité de 20. Il a des vêtements civils. Hein. Alors, il y a plusieurs types de vêtements civils. Il a soit une veste de survêtement ou bien un t-shirt. Il a également deux bandages, un painkiller et il a donc lui aussi le plus petit sac du jeu, le civilian bag. Alors quand on arrive sur la map du jeu, il y a deux choses à faire en fait. Premièrement, il faut s'équiper et deuxièmement, il faut s'orienter. Donc on va voir comment s'équiper. L'équipement dont on va avoir besoin en fait va correspondre à quatre besoins fondamentaux. Ces besoins sont se nourrir, se soigner, se défendre et s'orienter. Donc pour s'équiper, il faut fouiller en fait tous les bâtiments dans lesquels on peut rentrer.
Il y a plusieurs bâtiments hein, sur les différentes maps. Mais attention, on ne peut pas rentrer dans tous les bâtiments sur Breaking Point. Sur Altis et Stratis, environ, j'irais, 80% des bâtiments peuvent être fouillés. Mais sur toutes les autres maps, c'est beaucoup moins. Je pense à peu près 40 à 50% seulement des bâtiments peuvent être visités. Donc à la longue, vous apprendrez à reconnaître hein, les bâtiments qui contiennent du loot. Et vous arriverez même à déterminer le type de loot disponible dans chaque type de bâtiment. Alors par exemple, sur les maps, on a par exemple c'est les hangars. Dans ces hangars-là, ils spawnent souvent des containers de chantier dans lesquels vous allez trouver tout le loot, tout le matériel qui permet de fabriquer des choses, de crafter des choses, ou bien de réparer des véhicules. Voilà, ce type de choses-là. Ensuite, vous avez les maisons, hein, des maisons totalement banales, hein, comme celle-ci. Et là-dedans, on trouve des valises, des sacs à dos, divers cartons ou sacs en jute, où on trouve du matériel de base. Alors, qu'est-ce qu'il faut looter? Il faut savoir que tous les objets qu'on trouve dans le loot ne sont pas forcément utiles. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de débutants qui remplissent leur sac inutilement, hein, qui veulent prendre un petit peu tous les objets qu'ils trouvent, ils les mettent dans leur sac, alors qu'il y a certains objets qui servent à rien. Par exemple, il y a des briques, on peut trouver des briques. Alors les briques peuvent être utilisées, hein, elles peuvent être jetées notamment sur les zombies. Mais bon, déjà il faut savoir bien viser, et puis elles sont pas très très efficaces, donc bon, je pense que ça sert à rien de prendre des briques. Mais il y a également des objets qui servent vraiment strictement à rien, qui sont là juste comme ça. Hein. Par exemple la glu, les mugs, le papier toilette, tous ces objets-là, c'est vraiment inutile de les prendre, ils vous serviront strictement à rien. Donc autres objets à prendre, les objets qui permettent de se nourrir, hein, les boîtes de conserve, les céréales. Alors pour tout ce qui est se nourrir, je vous renvoie à ma vidéo hein, sur les besoins vitaux pour savoir exactement ce qu'il y a à manger et comment le manger. Pour boire, c'est pareil, hein, canette de soda et gourde, là aussi je vous renvoie au tuto sur les besoins vitaux. Alors, autre équipement qu'il va falloir looter, celui qui permettra de se soigner. Alors, pour ça, vous allez devoir ramasser des bandages et des painkillers. Alors là aussi, nul besoin de trop se charger, hein, sachant qu'au départ, toutes les factions ont des bandages et des painkillers. Je pense que 3 ou 4 bandages et 3 ou 4 painkillers sont largement suffisants. Pas la peine d'en prendre des tonnes. Alors si vous trouvez des antiviraux et des morphine syringes, je vous conseille de les prendre. Alors c'est très très rare à trouver, surtout les morphines. Mais bon, si vous en trouvez, essayez quand même de les prendre. Je pense qu'une de chaque devrait suffire au début. Vous en trouverez plus tard dans le jeu. Enfin, le dernier équipement à looter, c'est celui qui concerne la défense et l'attaque hein, d'ailleurs aussi. C'est-à-dire le loot d'armes. Alors il y a trois types d'armes en fait. Vous avez l'arme de distance, l'arme de poing et l'arme de mêlée. Donc les hunters et les nomades spawnent avec une arme de mêlée, hein, on l'a vu. C'est une arme assez efficace hein, d'ailleurs, c'est la hache. Donc je rappelle, hein, la hache sert à se défendre et non pas à couper du bois, hein, comme je l'avais dit dans le tuto sur les besoins vitaux. Ne sert à rien d'essayer de couper du bois avec la hache, c'est simplement une arme de défense en fait, ou une arme d'attaque hein, d'ailleurs. C'est une arme de mêlée en tout cas. Donc l'arme de mêlée est très importante car elle ne fait pas de bruit et elle sert notamment à tuer les zombies. Sans arme de mêlée, franchement, c'est assez difficile de looter au début hein, parce que les zombies sont souvent dans les bâtiments où il y a du loot. Et pour vous en débarrasser, il va falloir les tuer à l'arme de mêlée. Je conseille d'ailleurs fortement d'utiliser l'arme de mêlée et non pas une arme à feu hein, pour tuer les zombies. Parce que le bruit fait par une arme à feu risque d'attirer d'autres zombies et surtout d'attirer d'autres joueurs, de vous faire repérer inutilement. Donc vraiment, l'arme de mêlée est très très importante. Il faut noter quand même qu'il est possible d'utiliser une arme de distance hein, qui fait pas de bruit. C'est l'arbalète. Mais premièrement, les flèches sont pas très nombreuses et surtout le temps de rechargement est vraiment très long. Et vous risquez d'être
de vous retrouver en difficulté face à plusieurs zombies, le temps de recharger votre arbalète, vous risquez de vous faire tuer. Après l'arme de mêlée, vous devez trouver également une arme de poing qui sera surtout efficace en close combat, notamment contre d'autres joueurs. Alors au début du jeu, dans le loot traditionnel, vous trouverez essentiellement des revolvers basiques, tels que le Makarov ou le Glock 17. Ces armes ne sont pas très puissantes, mais elles peuvent être quand même très efficaces contre un adversaire. Moi, j'ai tué plus d'un joueur hein, avec un simple Makarov. Donc, les meilleurs revolvers que vous pourrez trouver dans le loot traditionnel sont un peu rares, mais ils peuvent être trouvés aussi. Il s'agit du Chaparino et du Smith & Wesson 500. C'est vraiment deux armes très très puissantes, mais qui font aussi énormément de bruit. Et là, j'attire aussi votre attention par rapport aux armes de poing sur la nécessité d'avoir des munitions. En effet, ça sert à rien d'avoir une arme de poing si vous n'avez pas de munitions. Une arme tout court, hein, d'ailleurs, même une arme de distance. Sachez que sans munitions, évidemment, ça vous servira à rien. Donc, il va vous falloir trouver des munitions adéquates, hein, qui correspondent bien au type d'arme que vous avez. Par exemple, un Chaparino, vous ne pouvez pas lui mettre du Parabellum. Il faudra trouver des balles qui correspondent au Chaparino. Donc faites bien attention de prendre les bonnes munitions. Et ça vaut donc aussi bien pour les armes de poing que pour les armes à distance. Les armes à distance, justement, enfin les armes de distance, elles sont essentielles. Hein. Essentielles notamment à la self-défense, mais aussi pour chasser d'autres joueurs. Il vous faudra forcément un fusil. Donc on trouve des armes basiques dans le loot traditionnel, hein, et surtout dans les sacs à dos et les valises. On va trouver par exemple des fusils de chasse très efficaces, mais par contre, ça sera des armes de courte portée. Hein, vous ne pourrez pas tirer très loin, mais par contre, vous ferez d'énormes trous dans vos adversaires à courte portée. Vous pouvez trouver aussi par exemple des Lee Enfield. Hein, c'est une vieille arme, mais qui est souvent sous-estimée parce que c'est une des armes peut-être les plus efficaces hein, quand on sait bien s'en servir. C'est une très très bonne arme. Vous avez aussi du 22 long rifle. Alors c'est une arme très pratique parce qu'on la trouve dans beaucoup de loot. Et puis surtout on trouve énormément de munitions de 22. Donc ça c'est vraiment très pratique. Par contre c'est pas une arme très puissante. Même si elle tire à une distance quand même assez bonne. C'est une arme très peu puissante. Et à moins de faire un headshot, vous allez devoir tirer plusieurs fois sur votre adversaire pour pouvoir le tuer. Donc bon, je vous conseille quand même pas la 22 long rifle. Il faut noter aussi qu'il y a des lunettes hein, qui peuvent être mises sur les différentes armes. Là aussi, il faut bien choisir la lunette parce que toutes les lunettes ne vont pas sur toutes les armes. Et les mires non plus, hein. Il y a différentes mires, assez haut, enfin bon, plusieurs types de mires. Et toutes les mires ne vont pas sur les armes. Par exemple, le fusil de chasse, par exemple, peut mettre ni lunettes ni mire. Donc au début, vous allez trouver ce type d'armes basiques. Hein. Et pour trouver de meilleures armes plus efficaces, il faudra trouver des lieux de loot spécifiques, tels que les tours militaires, où on peut trouver non pas les meilleures armes du jeu, mais des armes tout à fait efficaces. Outre la nécessité de s'équiper, hein, qui est vraiment très important, qui est une phase du jeu vraiment très importante, il va falloir s'orienter. Quand vous spawnez sur la map, vous êtes complètement perdu, hein, donc il va falloir que vous trouviez un équipement qui va vous permettre de vous orienter. Il faudra que vous le trouviez quand même assez rapidement, hein, pour savoir où vous allez. Alors il y a trois choses à trouver essentiellement pour s'orienter, une carte, une boussole et des jumelles. Alors, comme on l'a vu, le ranger spawn avec une boussole, mais sans carte, ça lui sert à rien. C'est pareil pour le nomade, lui, c'est le contraire, il a une carte, mais il n'a pas de boussole. Donc il faut absolument avoir une carte et une boussole pour pouvoir bien s'orienter. Alors la carte et la boussole se trouvent dans le loot tout à fait normal, hein. Vous pouvez en trouver dans les sacs, dans les valises, dans les cartons, il y en a un petit peu partout.
En général, on les trouve assez facilement, mais ça peut arriver hein, qu'on mette un quart d'heure, 20 minutes à trouver une boussole et une carte. Et dans ce cas-là, on est un peu paumé. Les jumelles, quant à elles, sont pas ultra nécessaires, mais elles sont quand même pratiques, notamment pour repérer de loin des points d'intérêt qui permettent de s'orienter, et évidemment pour repérer d'autres joueurs. Elles aussi, elles se trouvent dans le loot traditionnel, vous en trouverez assez facilement. Alors, il faut noter qu'on peut trouver des jumelles un peu plus perfectionnées que les jumelles de base. Il s'agit des télémètres, en fait, hein, qui sont beaucoup plus rares que les jumelles, mais qui permettent de calculer les distances et qui sont donc très pratiques pour se déplacer, mais aussi, évidemment, pour sniper les adversaires. Voilà pour ce qui concerne l'équipement pour s'orienter. Alors, outre cet équipement de base, hein, vous pouvez aussi trouver des sacs plus grands que le Civilian Bag. Je rappelle que le Civilian Bag est le sac le plus petit du jeu et qu'il y a énormément d'autres sacs disponibles dans le jeu qui sont plus ou moins faciles à trouver. Donc moi, je vous conseille vivement de vous équiper d'un sac plus grand, et notamment au début du jeu, vous trouverez assez facilement ce qu'on appelle les sport bags, qui sont des sacs juste au-dessus du civilian bag et qui contiennent quand même beaucoup plus et qui vous permettront de récolter plus d'objets. Donc vraiment, ça c'est très important, hein, le sport bag. Si vous en trouvez, prenez-le, évidemment, n'hésitez pas. Alors, outre le fait de s'équiper, il va falloir également s'orienter. Ça, c'est très important. Donc, avant de trouver les outils pour l'orientation, hein, dont je vous ai parlé, hein, qui sont donc la boussole, la carte et les jumelles, ben, je vous conseille tout simplement de errer, hein, en fonction des bâtiments. Hein. En fait, c'est surtout les bâtiments qui vont vous diriger. C'est-à-dire que dès que vous voyez un bâtiment, ben, vous allez en sa direction et vous le fouillez. Donc au début, sans carte et sans boussole, c'est un petit peu au pif, hein. Vous partez dans une direction un peu au pif. Si vous avez la chance de spawn près d'un rivage, ben, vous pouvez soit suivre le rivage, soit au contraire aller dans la direction opposée, hein. Ça vous donnera un point de repère quand même, à savoir que la mer se trouve derrière vous. Si vous êtes près d'une rivière, pareil, hein, vous suivez la rivière. Si vous avez une route, c'est encore mieux, si vous trouvez une route. Si vous trouvez une route, je vous conseille de la suivre. Alors, pas de la suivre en marchant dessus, parce que vous risqueriez d'être repéré assez facilement et vous pouvez même croiser un véhicule, hein, donc je vous conseille plutôt de la suivre à distance, hein, sur le côté, dans la nature, vous cachez. Mais comme on dit, toutes les routes mènent à Rome. Alors c'est pas forcément vrai sur Breaking Point, hein. Il y a des routes qui mènent nulle part. Mais en général, quand même, si vous suivez une route, vous avez de fortes chances de tomber soit sur un terrain militaire, enfin sur un camp militaire, pardon, ou bien sur une ville. Donc essayez de suivre une route, par exemple. Ou alors essayez aussi de repérer des points d'intérêt, comme des fils électriques. Hein, ou bien, je sais pas, une tour électrique ou un moulin ou ben voilà, des choses comme ça qui vous permettent d'avoir un point de repère, hein, pour savoir à peu près où vous orienter. Sachez quand même, ce qui doit motiver votre orientation, c'est toujours de fouiller des bâtiments, hein, en tout cas au début du jeu. Alors, une fois que vous aurez trouvé une carte et une boussole pour vous orienter, là, en fait, tout va dépendre de ce que vous voulez faire exactement sur le jeu. Si vous voulez faire du PVP et augmenter votre skill, et donc si vous voulez chasser du joueur, je vous conseillerais tout d'abord de bien vous équiper, notamment en armes et en munitions, et puis de vous rendre dans des points stratégiques, des spots de loot, hein, comme les bases militaires ou les baraques rangers, ou bien encore les aéroports. Ou sur Altis, le Ghost Hotel par exemple. Donc là, ça vous permettra de looter et surtout ça vous permettra de rencontrer d'autres joueurs, hein, à chasser. C'est souvent dans ces lieux-là que se concentrent en fait les joueurs. Alors,
Justement, il faut donc faire très attention hein, quand vous vous rendez sur ces lieux. C'est des points névralgiques où les joueurs se rejoignent pour se tirer dessus. Donc faites vraiment très attention. Alors par contre, si vous décidez de jouer plus RP, hein, si vous voulez privilégier la survie et le craft, ben, je vous conseille d'abord de trouver une ville et puis de commencer à chercher de quoi vous construire un haven. Donc construire un haven, on verra ça dans une prochaine vidéo, hein, comment construire un haven. Sachant qu'un haven, je rappelle, c'est un abri hein, où vous pourrez ensuite l'équiper pour survivre. Donc quoi qu'il en soit, que vous jouiez PVP ou RP, je vous conseille de toujours vous déplacer prudemment. Ça c'est vraiment très très important. Hein. Toujours regarder partout, regarder derrière vous. Regardez s'il n'y a pas des joueurs qui vous observent ou qui vous suivent ou voilà. Vraiment faire très attention. Jamais foncer sur un lieu sans avoir pris la peine de vérifier qu'il n'y ait pas d'autres joueurs, hein, ou jumelles par exemple. Et puis sachez surtout que sur Breaking Point, on n'est jamais en sécurité. Hein. Même sur un serveur vide, on n'est absolument jamais en sécurité. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire buter bêtement alors qu'on était trois sur le serveur. Hein. J'ai vu un crash d'hélico, j'ai foncé direct et en fait il y avait un mec, c'était assez improbable, n'empêche que je me suis pris une balle directe entre les deux yeux et je suis mort. Donc même avec 5 ou 6 joueurs, toujours, toujours se méfier. Alors évidemment la menace augmente quand on est plus nombreux, mais faut toujours faire attention. Autre chose, je vous conseille quand même de faire très attention aux zombies, hein. Surtout au début, quand on débute, ils sont assez difficiles à tuer, surtout si vous n'avez pas d'armes de mêlée. Donc, comme je vous le rappelle, évitez de tirer à l'arme à feu sur les zombies, hein, pour éviter d'en rameuter d'autres, et surtout de vous faire repérer par d'autres joueurs. Mais surtout ne sous-estimez pas hein, les zombies, parce que quand vous en avez un, ça va, mais quand vous êtes dans une ville ou dans un endroit un petit peu confiné, s'ils sont 7 ou 8, vous risquez d'être très très mal. Hein. Moi, je me suis déjà fait tuer, notamment au Ghost Hotel, hein, bêtement, parce que il y avait 5 ou 6 zombies qui spawnaient d'un coup, et je me suis fait encercler, je me prenais un coup, deux coups, trois coups, et au bout d'un moment, ben, je suis mort. Donc, vraiment faire très attention aux zombies. Alors avant de terminer cette vidéo, on va faire un petit récapitulatif des objets à looter en priorité quand vous débutez. Donc concernant les objets pour les soins, il vous faudra des painkillers et des bandages. Pour ce qui est des besoins vitaux, vous aurez besoin donc de la nourriture et de boissons, c'est-à-dire soda, gourde, conserve, céréales. Enfin pour les objets pour s'orienter, vous aurez besoin d'une boussole, d'une carte et de jumelles. Et pour terminer, concernant le matériel pour combattre, vous aurez besoin d'une arme de mêlée, d'une arme de poing et d'une arme de distance. À ces objets, vous pouvez looter aussi d'autres objets assez importants, notamment donc comme on l'a vu, vous pouvez remplacer votre civilian bag qui est un tout petit sac par un sac plus grand, notamment le sport bag. Il vous permettra de récolter plus d'objets, donc c'est assez intéressant à looter. À cela, on peut ajouter également une montre. Si vous trouvez une montre, ça peut vous servir. C'est pas nécessaire, mais si vous voulez avoir l'heure, vous pouvez la prendre. Vous pouvez par contre, ça c'est un petit peu plus important, prendre un couteau. Si vous trouvez un couteau, prenez-le. Ça vous permettra de chasser. Une fois que vous aurez tué votre proie, vous pourrez la découper. Et sans couteau, c'est impossible. Donc le couteau est assez important. Et enfin, vous pouvez aussi looter une caisse à outils. Si vous souhaitez réparer les véhicules, vous aurez besoin nécessairement d'une caisse à outils. Alors il faut savoir que le slot pour mettre la caisse à outils peut contenir soit une caisse à outils, soit un surgery kit. Sachant que le surgery kit est beaucoup plus difficile à trouver. Et surtout qui vous servira à rien si vous jouez seul, vous ne pouvez pas vous soigner, vous auto-soigner. Le surgery kit permet juste de soigner un allié. Donc c'est si vous jouez à plusieurs. Donc voilà, c'est un peu tous les objets
dont vous aurez besoin en priorité quand vous débutez dans une partie. C'est à peu près tous les conseils que je pouvais vous donner quand vous débutez sur Breaking Point, hein. Donc faites très attention et stay safe. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut! When there's no more room in hell, the dead will walk the earth.